Je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur du CROUS avaient promis depuis le début de l'année de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, notamment sur le plan de la restauration et sur le plan de l'hébergement. Il y a quelques jours de cela, nous avons réceptionné ici même un lot de 500 matelas. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner un lot important de 16 et bientôt, on nous a fait croire qu'il y aura des tables qui seront livrées. Donc aujourd'hui, nous voyons que ces engagements des autorités se traduisent en actes concrets. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Donc, parce que la commission sociale, son credo, c'est de tout faire pour que l'étudiant sanarois puisse vivre dans les conditions meilleures. Il y a quelques mois, quelques jours de cela, vraiment au niveau de la restauration, nous vivions des conditions précaires dues à un manque sérieux, criard de chaises et de tables. Donc nous avons posé ces problèmes au niveau de la table du ministère de l'Enseignement supérieur et du directeur du CROUS. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il y a un début de solution par rapport à ces problèmes-là. Notre revendication. Comme nous vous l'avons dit, nous ne restons pas les bras croisés. Nous sommes toujours dans cette logique d'anticipation. Parce qu'on sait que d'autres éventualités, d'autres problèmes se poseront au début de 2015, à l'horizon de 2015. Donc, à chaque fois, nous organisons des ateliers de réflexion, des ateliers de partage avec le directeur du CROUS et les autres autorités pour essayer de solutionner, d'anticiper sur tout ce qui peut constituer un obstacle pour une année académique paisible.